Bonsoir, bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé de beau pour ce soir? Tout simplement une vidéo unboxing. Unboxing d'un petit colis, enfin plutôt d'un gros colis que j'ai reçu ce matin. J'étais très impatient de le recevoir. Et c'est une nouvelle vidéo de test de micro. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai reçu un nouveau micro ce matin et je remercie l'entreprise Tonor qui m'a envoyé gratuitement pour que je teste ce micro en vidéo ASMR. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je travaille avec l'entreprise Tonor. Ça fait déjà quelques temps que je suis en collaboration, excusez-moi, avec la marque Tonor. Et ils n'hésitent pas de m'envoyer des micros pour que je le teste en vidéo. Et comment dire, les micros Tonor sont d'une excellente qualité. Bien sûr, on va présenter le micro qu'ils m'ont envoyé. Je vais vous mettre tous les liens dans la description pour au cas où si vous voulez l'acheter. Et puis voilà, alors le carton, c'est un gros carton d'Amazon. Bien sûr, c'est qu'Amazon Prime, ils m'ont contacté il y a 3 jours. Ils l'ont envoyé hier, à l'heure que je tourne la vidéo. Et je l'ai reçu ce matin en un jour. Le carton, il est plutôt balèze.
Ensuite, nous avons le petit câble. Ah, d'accord, c'est un câble comme ça. Ah, plutôt pas mal. C'est rare d'avoir des câbles comme ça dans les micros. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Ensuite, nous avons la petite bonnette qui est un peu pliée avec le moulage. Mais je pense pas mettre le filtre anti-pop. On verra bien. La bonnette suffit amplement. Mais après, je poserai tout ça sur la table et je filmerai tous les composants. Ensuite, nous avons une araignée, ça s'appelle, je pense, pour faire tenir le micro. C'est pareil, c'est de la très bonne qualité. Ensuite, nous avons ceci. Pour tout simplement le fixer au bureau. Alors quand il y a ceci, il y a obligatoirement... Ah, ça c'est bien parce que c'est petit et c'est ce qu'il me fallait. Ah ouais, je suis plutôt content parce que celui que j'avais sur le PC, il était un peu trop grand. Du coup, il prenait de la place et celui-là... Et c'est ce qu'il me fallait. Alors l'autre micro que j'ai sur le PC que je vais changer par celui-là, j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours m'en servir pour mes vidéos, mais pour quand je joue sur le canapé, quand je fais des vidéos de gaming, tout ça sur la PS5. Et bien sûr, nous avons... Oh ouais, magnifique. Oh. Ah, je pète les bulles. Ouais, il a l'air d'être d'une excellente qualité. Le petit... Ah oui, il est magnifique. Ah oui. Ah, il est super classe. Regardez. Ah, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Il est super classe. Ah ouais. En plus, je pourrais tester comme ça. Il est vraiment lourd. Là, il y a le plus et moins. Ah ouais, il est super classe. Ah ouais, j'en reviens pas de la qualité. C'est le meilleur micro pour l'instant, après voir la qualité. Mais c'est le meilleur micro pour jouer ou pour streamer. Ou, oh, magnifique. Alors, si vous voulez l'acheter, si le micro vous convient, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez vous commander. Alors, nous allons lire un peu la petite notice. Pour voir ce qu'il fait. Alors il fait USB, c'est un micro en USB. Attends, il n'y a pas de français. Vous voyez l'anglais, ça fait deux. Alors vous avez aucun pilote à installer. Hein. Vous le branchez sur votre PC et c'est parti. Comme en 2000. Alors d'accord, le bouton plus et moins, c'est pour longue prise mute. D'accord. Quand tu restes appuyé sur le moins, ça éteint le micro, c'est ça qui est bien. Et le plus aussi, ouais, c'est le volume en fait. Après, ça marche avec tous les ok. Bon, après, ça c'est la notice comment faire fonctionner le micro. Ok, il n'y avait pas d'autres notices. Non, il n'y a pas d'autres notices. Par contre, il n'y a pas de trépied, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je mettrai le lien. Pas le lien, je mettrai sur la table et je filmerai après la vidéo et je vous l'incrusterai dans la vidéo. Bon, bah maintenant, ça fait combien de temps? 12 minutes que j'ai fait le déballage. On va le tester maintenant. On va le tester et voir.
Alors, je trouve que la qualité du son est excellente. D'ailleurs, j'ai oublié, excusez-moi, de vous préciser que c'est le micro Tonor Q9. Le micro Tonor Q9. Alors, dites-moi ce que vous en pensez par commentaire de la qualité. Mais j'ai testé avant de faire la vidéo comme ça, 30 secondes, l'histoire de dire allô, allô, pour voir ce qu'il avait comme son. Et il est excellent, je vous jure, c'est insane. C'est le meilleur micro que j'ai reçu. C'est le meilleur micro, tout simplement, que j'ai reçu gratuitement. Et il est vraiment excellent, le son. Alors, bien sûr, au début, j'entendais presque pas ma voix parce que si vous voulez, j'ai augmenté le son avec le bouton plus. Et si je baisse avec le bouton moins, bah, vous m'entendez plus. Et même sans la bonnette, le son il est excellent. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bah, juste chuchoter. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce micro. Y a rien d'autre à ajouter. Il est excellent. Désolé pour le chien qui gueule en bas. C'est un peu chiant. Et en plus, ce qui est bien, vous pouvez le tenir à la main et parler. Ou le mettre sur un PC tout simplement avec la perche pour mettre sur le PC et sur le bureau. Et dites-moi ce que vous en pensez de la qualité, mais c'est le meilleur micro que j'ai reçu. Et en plus de son design, il est trop 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 beau. Et puis voilà, tous les liens seront dans la description. Je crois qu'il coûte dans les 50 euros à peu près. Je crois que là il est en promotion. Enfin, de toute façon, je vous laisse aller checker ça dans la description. Et pour parler avec vos amis sur PC, pour streamer, pour faire des vidéos, c'est de la très très bonne qualité. J'espère qu'on n'entendra pas le chien parce qu'il me saoule. Bon, ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Ça fait à peu près 15 minutes que j'enregistre avec le déballage, tout ça. Mais c'est le meilleur micro que j'ai reçu à ce jour. Vous pouvez tout faire avec streamer, parler avec vos amis sur PC. En plus, je l'ai branché sur mon PC, là, sur mon PC portable, et ça fonctionne tout de suite. Il n'y a même pas besoin de pilote installé, il n'y a rien du tout. Mais le Tonor Q9 est tellement excellent. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. De toute façon, sur la vidéo, je vous mettrai quelques plans de mon setup avec justement ce micro monté. Je vous mettrai tout sur la table pour que vous voyez mieux en détail le micro. J'espère que vous entendez pas chiant parce que c'est désagréable. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai même pas besoin de mettre de bonnette. Tellement le son est excellent. Bon bah voilà, on va se laisser sur cette fin de vidéo en espérant qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé. Tous les liens seront dans la description. Je remercie encore la marque Tonor de m'avoir envoyé ce magnifique micro, c'est le meilleur. Et puis voilà, tous les liens seront dans la description. Désolé, je me répète. Et puis voilà, je n'hésitez pas à vous abonner.